Iar președintele Franței avertizează că Europa ar putea fi pe moarte dacă nu face față riscurilor la adresa sa, printre care cel mai important ar fi că războiul din Ucraina. Liderul de la Paris a făcut astfel apel la construirea unei apărări europene mai puternice și mai integrate în contextul amenințării Rusiei. Totodată, acesta a avertizat și asupra presiunilor economice, comerciale și de altă natură care ar putea slăbi și fragmenta Uniunea Europeană. Președintele Franței a avertizat că în contextul tuturor tensiunilor globale, Europa nu are voie să rămână în umbra Statelor Unite. Devons être lucides sur le fait que notre Europe aujourd'hui est mortelle. Elle peut mourir. Elle peut mourir. Et cela dépend uniquement de nos choix. Mais ces choix sont à faire maintenant. Parce que c'est aujourd'hui que se joue la question de la paix et de la guerre sur notre continent et de notre capacité à assurer notre sécurité ou pas. Le fait même que la guerre soit revenue sur le sol européen, mais qu'elle soit menée par une puissance dotée de l'arme nucléaire, change tout. Parce que le fait même que l'Iran soit au seuil de se doter de l'arme nucléaire, change tout. Et nous voulons un commerce qui nous profite, mais avec plusieurs autres qui commencent à changer les règles du jeu, qui sursubventionnent, de la Chine aux États-Unis d'Amérique. Il nous faut continuer d'avoir des partenariats avec les pays tiers. Oui, c'est-à-dire bâtir une Europe en capacité de montrer qu'elle n'est jamais le vassal des États-Unis d'Amérique, et qu'elle sait aussi parler à toutes les régions du monde, aux émergents, à l'Afrique, à l'Amérique latine. Et pas simplement par des accords commerciaux, mais avec des vraies stratégies de partenariat équilibré et réciproque.